Avez-vous fait le tour? Tour de France, non, mais j'ai fait des tours, des détours, des contours, et même d'autres tours. Des tours de quoi qu'elle me dit, des tours de vélo, pardi. Vous êtes un blagueur, ah, ce que vous êtes coureur. Vous parlez d'un raisonnement? Coureur. Ah ben, c'est pareil. Bon. Dans les champs chantaient les grillons, le soleil dardait ses rayons. Les bicyclettes. Elle voulait que je chante un brin, mais à cela j'ai mis un frein. Les bicyclettes. Jeunes pousses pratiquants de cyclisme, de clubs du secteur qui vont vivre une expérience incroyable, les 30 premiers kilomètres de l'étape officielle du Tour de France. Quel effet ça te fait? C'est bien, c'est la première fois qu'on fait ça, ça va être bien. À côté des routes, ça c'est motivant de rouler comme ça devant le public quand même. Ah oui, très motivant. Prendre du plaisir, Michel, c'est ce qui revient le plus souvent. Monsieur Bretonnier, monsieur le maire, monsieur Gérard Ramel, on a parlé de Dreux. La culture, Dreux est ville d'histoire, ville royale, mais ville sportive également. Hein. C'est l'esprit d'équipe, c'est l'entrée dans le monde professionnel. Exactement, monsieur le maire, vous ne croyez pas si bien dire en parlant d'entrée dans le monde professionnel, puisque des coureurs comme Arnaud Démare, comme Pierre Roland ou comme Romain Bardet sont passés par l'opération Cadet Junior présentée cette année par Continental. Je vous propose de les applaudir collectivement, mesdames et messieurs. Avec la caravane publicitaire du Tour, ce sont 600 personnes, 480 caravaniers, 120 logisticiens, 160 véhicules festifs, dont ceux de la gendarmerie. Les anges gardiens du Tour de France, ils sont là, la sécurité en course, la sécurité également du public. C'est grâce aux 13 000 gendarmes postés sur les 3300 km du parcours de notre ville. Mesdames, messieurs, approchez, approchez, écoutez, regardez, le Tour de France.